Samedi 10 août, j'ai pris la direction de Deauville. La semaine était terminée. Je me suis restaurée au jardin des propriétaires. Aujourd'hui, en partenariat avec France Gallo, les éleveurs invitaient leurs clients. C'était très très agréable. Allez messieurs, à cheval. J'ai eu envie de jouer aujourd'hui. Allez-y. Bonjour monsieur, 2 euros et 2 euros sur le 9 s'il vous plaît. Très bien madame. Je crois que c'est raté pour aujourd'hui. J'ai perdu, vous savez ce qu'on dit. Malheureuse au jeu, vous en amour. Bon, monsieur. Et c'est le prix de la Doha Cup qui est en groupe 1. C'est une course qui est réservée aux puissants arabes. La beauté, l'élégance, l'endurance et l'énergie. Ils sont considérés comme la race équine la plus ancienne. Mais alors, quelle est la différence entre un pur sang anglais et un pur sang arabe? Ils ont manifestement beaucoup plus de sang. Aujourd'hui, il y avait beaucoup de monde sur les côtés. Et c'est monsieur Demol avec Mountaza qui remporte le prix. Je me suis baladée. Bonjour Lucien, est-ce que tout est à vendre? Tout, bien sûr. Évidemment, tout est à vendre. Qu'est-ce que c'était joli. À côté, il y avait une petite boutique de porcelaine. Et à l'intérieur, on met les couleurs que l'on souhaite. Il y avait même la radio des Kidjad. Pour un autre groupe 3, c'est William Longier, l'entraîneur, qui s'impose avec Petit Chevalier et Maxime Guillon comme jockey. Et notre cocktail. Je ne pouvais pas terminer la journée sans un bon cocktail quand même. C'est Jean-Bernard Ecken qui s'est collé aujourd'hui à une très belle recette. Et bien voilà les amis, la carte postale du grand meeting Lucien Barrière, c'est terminé, mais on se retrouve demain. Et n'oubliez pas, allez sur meetingdedeauville.com et on se retrouve bientôt. Bye bye. Je vous embrasse, à demain.